Au moment de l'arrestation, l'un des suspects détenait cette pointe d'ivoire qu'il tentait de vendre. Pris en flagrant délit, ce dernier a rapidement dénoncé son complice qui a ensuite été appréhendé par les forces de l'ordre. Les deux individus ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lambaréné en attendant leur transfert au parquet spécial de Libreville. Leur détention, transport et tentative de vente d'ivoire sans autorisation préalable constituent des infractions passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, ainsi qu'une amende équivalente à 5 fois la valeur du produit saisi, conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal gabonais. Cette arrestation s'inscrit dans une série d'opérations récentes de lutte contre le trafic d'ivoire, quelques jours après l'interpellation de 5 autres présumés trafiquants à Kango. Ces actions renforcent l'engagement de l'administration des eaux et forêts, appuyée par l'ONG Conservation Justice, dans le combat contre le braconnage et le commerce illicite des produits issus d'espèces protégées. La loi gabonaise réprime également le ramassage d'ivoire trouvé en forêt sans déclaration préalable auprès des autorités compétentes.